Alors cet été, Yannick, il y a des hommes et des femmes qui étaient sur le front et qui ont risqué leur vie pour nous sauver et pour sauver nos arbres. Il était impossible ce soir, Léa, de parler, de préserver, de sauvegarder, de régénérer nos forêts sans leur rendre hommage. On va accueillir dans un instant les pompiers de Gironde, mais d'abord, regardez ce qu'ils ont vécu cet été. Ils l'ont filmé eux-mêmes, c'est impressionnant et ce sont leurs images. Ils sont là, ils sont avec nous ce soir, ce sont nos soldats du feu. Ils ont été tout l'été en première ligne grâce à votre mobilisation. On va leur prouver que tout ça n'a pas été vain. Merci d'accueillir le capitaine Rémi Lassoureille, officier du feu. Bonsoir capitaine. Merci d'être là. Bravo. Bravo, merci et bienvenue. Merci beaucoup. Mettez-vous dans la lumière, venez, mettez-vous plus de centre, voilà, qu'on vous voit bien. Capitaine, c'est vous qui avez filmé ces images qu'on vient de voir, des hélicoptères par au-dessus, ces images qui nous brisent le cœur à chaque fois qu'on les voit. Et vous ressentez quoi quand vous revoyez ces images-là de cet été? Alors c'est toujours avec émotion qu'on revoit notre forêt en proie de telles flammes. C'est des images qui sont génératrices d'un sentiment d'impuissance quand on l'a vécu. Annonciatrices également d'un combat nocturne acharné. Donc tous ceux qui l'ont vécu se souviendront tout au long de leur carrière. Vous dites, capitaine, que vous n'avez jamais vu des flammes de cette taille-là et des incendies aussi puissants. Les images que l'on voit à l'écran en ce moment sont issues de la nuit du 9 au 10 août, avec un des feux majeurs de la saison, avec plusieurs kilomètres de front de feu, sur des conditions qui ont vraiment nécessité une mobilisation totale de l'ensemble des acteurs que nous n'avions pas connu, que nos générations n'avaient pas connu jusqu'à présent en tout cas. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là, quand on est dans cet enfer, dans ce brasier? C'est de la peur, c'est de l'impuissance? Alors de l'impuissance pour une part, de la peur qui est saine face à ce type de phénomène et qui nous permet surtout de rester pleinement mobilisés, de nous concentrer sur les priorités qui ont été nos priorités tout l'été, sauver les vies, avec un bilan établi à l'issue de l'été qui abonde en ce sens, malgré toutes les difficultés que nous avons pu rencontrer, et la satisfaction à l'issue d'une saison exceptionnelle d'avoir maintenu ce bilan à aucune victime. Mais vous diriez que cet été 2022, ce terrible été, notamment en Gironde, c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre dans les prochaines années. En 2050, si on ne bouge pas, si on ne prend pas les choses en main, si on n'essaye pas d'inverser la tendance? Alors ce qui est certain, c'est que les caractéristiques, les conditions météorologiques que l'on a vécues cet été s'inscrivent clairement dans une tendance qui est redoutée, qui est constatée aujourd'hui, avec des scénarios qui tiennent des prévisions qui effectivement rejoignent ce que l'on redoute sur les scénarios critiques à l'horizon 2050. Valérie Masson-Delmotte, je ne sais pas si vous la connaissez, capitaine, c'est l'une de nos plus grandes scientifiques. Elle a été classée par le magazine Time parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. Et elle est française et on en est content. Valérie Masson-Delmotte, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce qui s'est passé cet été, ce qu'on a vécu cet été, tous ces incendies, ces sécheresses, cette mer Méditerranée qui était à 30 degrés, pourquoi c'est le fruit du réchauffement climatique? Oui, donc il faut bien comprendre que les activités humaines, en ajoutant des quantités colossales de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça conduit à piéger de la chaleur qui s'accumule. Une grande partie de cette chaleur rentre dans l'océan. Une partie fait fondre tout ce qui est enneigé et englacé. Et puis une partie, c'est le réchauffement de l'air. Et notre influence sur le climat à l'échelle planétaire, ça se manifeste aussi par un réchauffement en France qui est plus prononcé que la moyenne planétaire. Et ça conduit à des événements extrêmes, notamment les sécheresses, les pluies intenses et les canicules qui sont plus fréquents et plus intense. Et donc, l'été 2022, il a été emblématique de conséquences du changement climatique dû aux activités humaines, dû à nos rejets de gaz à effet de serre,
qui s'aggrave dans chaque région. L'été dernier, ce serait l'été moyen d'ici 25-30 ans. Donc l'été record dans 25-30 ans, ce sera quelque chose d'inédit, en fait, hein, par l'intensité des événements extrêmes. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est possible d'agir. C'est-à-dire, si on réduit massivement les rejets de gaz à effet de serre, on peut en voir les bénéfices, en fait, assez rapidement pour la qualité de l'air, si c'est fait à l'échelle planétaire. Et on peut réussir, en quelques décennies, à stabiliser l'évolution du climat. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut éviter une intensification ingérable, en fait, en agissant sur les causes, et aussi par la gestion des forêts, par les méthodes de prévention du feu, sur les conséquences. Pour bien comprendre, vous dites que ça ne peut pas revenir en arrière. Non. Et si on arrête de dérégler encore plus, au mieux, on stabilisera. Mais ça veut dire qu'au mieux, ça continuera d'être comme ça. Tant, en fait, la chose la plus importante à comprendre, c'est que ce qui va déterminer le niveau de réchauffement futur et ses conséquences partout, l'intensification de ses conséquences, c'est la somme des émissions de dioxyde de carbone, c'est le gaz à effet de serre qu'on rejette en quantité les plus importantes, passé, c'est ce qui nous a conduit à la situation d'aujourd'hui, et à venir. Donc, tant que les émissions mondiales de dioxyde de carbone ne seront pas à zéro net, c'est-à-dire que s'il y a des émissions résiduelles, on est capable d'en enlever et de le stocker à long terme, tant que ce ne sera pas le cas, le climat continuera à dériver. Et aujourd'hui, on met dans l'atmosphère, au niveau planétaire, à peu près 40 milliards de tonnes de CO2. 90%, c'est les énergies fossiles, et 10%, la déforestation et les changements d'utilisation des terres. Malgré ce constat terrible que vous dressez, la violence de ces images, Gilles Boeuf, vous dites que la situation est trop grave pour être pessimiste. Ah, complètement. on y est. Il fallait qu'on soit pessimiste il y a 40 ans, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la pire des actions, ça serait l'inaction. Quand j'écoute nos amis, là, c'est tout à fait évident. Parce que, prenons en compte le vivant. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire que le climat change sur la Terre? S'il n'y a pas de vie sur la Terre, on s'en fout. La vie est là, et dans la vie, il y a l'humain avec sa activité économique. Donc c'est le plus beau révélateur de ce qui se passe, finalement. Et dans les rapports du GIEC, on voit apparaître au fil du temps les effets sur ce vivant, sur l'agriculture, bien évidemment, sur les pêches, et un petit peu partout. Et l'humain est dedans. Je pense que notre force de conviction ce soir, c'est de dire à tout le monde que nous sommes le vivant, on l'a dit. Un humain, c'est plus de bactéries que de cellules humaines. Plein les trous de nez, les cheveux partout. C'est génial, on est beau comme ça. On ne mange que du vivant, on ne coopère qu'avec du vivant. Le Covid nous le raconte. Donc voilà, admettons-le, et on changera nos relations avec le reste du vivant non humain. Tout est là. Mais on peut, vous le dites, et c'est aussi le message ce soir, c'est qu'il y a urgence, mais qu'on peut faire des choses. On va savoir, vous allez nous expliquer, Cyril, vous aussi, Valérie Masson-Delmotte, vous avez accepté de participer à cette émission pour expliquer pourquoi, si on commence à faire des petites initiatives comme on fait ce soir, de vouloir planter, replanter, protéger des forêts entières, des milliers d'arbres, des dizaines de milliers d'arbres, on va pouvoir stocker ce CO2 et donc, peut-être pas, ce ne sera pas merveilleux, mais on peut commencer déjà à inverser la tendance. Faites-le. Regardez, je veux juste vous montrer une image, la mythique forêt des morts qui est située près de Fréjus dans le sud de la France. Regardez-la, elle a été ravagée par les incendies il y a un an en 2021. On peut la replanter, on peut la sauver ce soir, on peut la faire renaître grâce à vos dons. Je répète ce numéro de téléphone, pardonnez-moi, mais je vais le répéter toute la soirée. SMS par SMS 92 312. Vous faites FNE 5 pour 5 euros, FNE 10 pour 20 euros, FNE 20 pour 20 euros. Merci, capitaine, et merci à vos hommes et à vos femmes d'avoir été là avec nous ce soir. On tenait vraiment à vous rendre hommage. Vous êtes ce qu'on peut appeler des héros français. Donc merci beaucoup, merci d'avoir été là. Il y a un...